Question 5. The diagram shows a sector AOB of a circle with center O and radius R. Alors, ça c'est un secteur, center O, radius R, angle AOB, ici angle ali alpha radians, where alpha is in between 0 and pi. Area of triangle AOB is half area of the sector. Show that alpha satisfies this equation. Alors, si alpha satisfies this equation, c'est de remplacer x par alpha de l'équation là, il peut satisfaire sa équation là. Alors, il peut venir alpha égale 2 sine de alpha. Ça nous peut besoin show que l'équation là satisfait sa relation là. Alors, première partie. Alors, information qui vient de nous, c'est area of triangle AOB is equal to half times area of sector. Alors, area of triangle AOB, nous pouvons aller par half AB sin C, half times A times B, c'est-à-dire half fois included angle de alpha, fois sin de alpha, égale half times area of sector, nous pouvons aller par half R square theta. Alors, R radius de R même, mais theta de alpha. Alors, next qui peut arriver ici, leaving half R square sin de alpha égale half fois half R square alpha. Alors, dès que vous trouvez dans half R square, nous sommes capables d'éliminer ici aussi dans half R square. Alors, nous verrons sin de alpha is equal to half de alpha. Si nous faisons partout par 2, leaving 2 sin de alpha égale alpha. Alors, trouver l'équation qui satisfait alpha égale 2 sin de alpha. Ça nous tient pour la première partie. Next, deuxième partie. Verify that alpha lies between pi by 2 and 2/3 of pi. Alors, nous capables de représenter alpha par x même. Nous travaillons avec x parce que n specific value, ça c'est alpha. Et nous allons travailler avec l'équation x égale 2 sin x. Rappelle bien, x là ici c'est alpha. Allez, ça nous va à gauche. Devine x retient 2 sin x égale 0. Il est important que nous équation de format f of x égale 0. Alors, f of x dit x retiré 2 sin de x. Calculatrice de mode radian. Alors, nous essayons de dévaler x. X égale pi by 2. Alors, nous prenons f de pi by 2. Et comment finir? Nous prenons place x par 2 tiers de pi. Et si nous remplacer, nous pouvons dire qu'un coup f de 2 pi by 3, comme on a deviné. Alors, x, l'évidine pi by 2, pi by 2, retirer 2 fois sin de pi by 2, calculatrice de mode radian to 3 significant figures, l'évidine négative 0.429. Et ça, il y a négative value. Next, pour 2 pi by 3, nous essayons. Retirer 2 fois sin de 2 pi by 3. Alors ça, to three significant figures, devient 0.362 et ça est positive. Next, nous donnons une petite conclusion. Alors, conclusion, c'est since f of pi by 2 and f de 2 pi by 3 are of opposite signs, that of opposite signs, therefore, There is a root between x is equal to half pi and x is equal to 2 tiers de pi. Ça c'est deuxième partie. Next, nous répondons troisième partie. Show that if a sequence of values given by this iterative formula converges, it will converge to the equation in part 1. Alors, nous prenons sa iterative formula là, xn plus n égale n tiers, xn plus 4 fois sin de xn. Nous tient tout bien subscript là-dedans, les vignes x égale n tiers fois x plus 4 fois sin de x. Alors, nous fois par tout par 3. Alors, si nous fois par tout par 3, les vignes 3x égale x plus 4 fois sin de x. Alors, x nous avait à gauche, 3x retire x fait 2x égale 4 sin de x. Divise par 2 par 2, leaving x égale 2 sin de x. Xn, nous tenons pour show de troisième partie. Next, nous faisons une iteration quatrième partie. Nous pouvons servir sa iterative formula de troisième partie là. Nous remplaçons xn par n.8 pour démarrer. Initial value. Là, nous pouvons donner nos roots to 2dp, chaque iteration to 4dp. Alors, première valeur x, xn, ni n.8. Et nous remplaçons n par n pour nos roots x2. Alors, x2 pouvait nous. N tiers de xn de n.8 plus 4 fois sin de n.8. Alors x2, comment est-ce que vous venez de 4dp?
Alors, n tiers fois n point 8 plus 4 fois sine de n point 8. Alors, to four decimal places, il faut venir n point 8, 9, 8, 5. Next, quand n égale 2, nous pourrons x3. Alors, x3 pour venir. Nous remplace x par x2. Alors, x2 dit n point 8, 9. Nous capables de servir nos valeurs de calculatrice. Plus 4 fois sine 2. Nos réponses de calculatrice. Alors, tout 4 dp. X3 peut venir n point 8, 9, 5, 2. Alors, tout dp, dp commence à ressembler. Dp commence à ressembler doucement, doucement. Nous avons x4 qui peut venir. Dp calculatrice, nous avons n point 8, 9, 5, 5. Dp commence à ressembler. Vous pouvez pas mettre ND iteration encore pour confirmer. Alors, x5 pour venir n.8955. Alors, vous trouvez tout DP. Tout DP, il commence à ressembler. Alors, au answer, au jour alpha, il peut venir n.90. Ça, c'est quatrième partie. Question 6. In the diagram, ABCD is a rectangle with AB 3A and AD A. A circular arc with center A and radius r joins point M and N on line AB and line CD. The angle MAN is x radians. Given the perimeter of sector AMN, ce secteur là, is equal to half the perimeter of the rectangle. Show this equation. Alors x bise satisfait sa equation là, sa angle. Alors nous faisons. Alors, information qui nous donne, première partie, nous donne que area of sector AMN égale half, ce perimeter, ce n'est pas area, mais perimeter. Alors, perimeter of sector AMN is equal to half times perimeter of rectangle. Alors, half fois perimeter of rectangle est facile. 2 fois length, 3a plus 3a, plus 2 fois width, a plus a. Next, perimeter of sector, nous avons dit, par ce d radius qui nous peut ajouter, r plus r, plus, next, ce qui nous peut ajouter, c'est length of arc, nous avons dit par r theta. Alors, nous faisons r fois x, et c'est bien rx. Ok, alors, si nous simplifions, il peut venir 2R plus RX égale half times 3A plus 3A, 6A plus A plus A fait 8A. Alors, divise par 2, c'est 24. Alors, il peut venir 2R plus RX égale half. Ici, nous coupons. Attends, nous coupons bien ici. Là. C'est là. Donc, on divise pour que c'est 4A. Alors, ici, c'est 4A. Et nous avons ce qui X satisfait this equation. Vous trouvez là-dedans? Na R, ok, ni na A là-dedans. Alors nous laissons ça relation là tranquille comme on dit. Alors, nous redonne équation qui connecte X R avec A. Alors comment nous capable faire ça? Alors nous capable servir Pythagoras theorem ou ça nous capable servir soccatoire parce que vous trouvez la réponse dans la sine. Alors si la sine nous a servi ce. Alors quand il nous servi ce, capable de nous servir de sa triangle là ici. Get popé shade sa triangle là pour les visible. De ce triangle-là, nous allons appliquer ce cas-toi parce qu'il y a un right angle triangle, il vient depuis d'un rectangle. Alors, si nous dessinons, ça c'est triangle qui concerne nous. Alors, s'il y a un rectangle, il y a un parallel sides. Alors, s'il y a un parallel sides, ça c'est un transversal. Nous allons appliquer alternate ou soit z angles. Alors, ici, dit x radians. Alors, ici aussi, d'après alternate angles, c'est pour une x. Alors, ça dit x opposite l'A. Next, hypoténuse, vous trouvez l'ibin R. Alors, si nous savons ce, après ce, sine de x égale opposite over hypoténuse. Alors, sine de x égale opposite l'IA, ce hypoténuse l'IR, nous cross-multiply. Ou soit, nous pouvons quitter comme ça, nous pouvons quitter l'IA l'OR, nous pouvons connaître l'ibin sine x. Alors, qu'est-ce qui travaille, nous pouvons le faire, lui? Alors, A l'OR, rappelle bien le sine of x. Alors ici, si nous factorisons R, il vient 2 plus X égale 4A. Alors 2 plus X pour égale 4A sur R. Alors c'est ça, A sur R là, nous pouvons remplacer par sine de X. Alors 2 plus X pour égale
4 fois sine de x. Alors, si nous faisons sine of x vint subject, sine de x vint subject, il vint encore de 2 plus x, et sine qui nous tient pour ce de première partie. Ça, c'est nos answers qui nous tient pour ce. Et deuxième partie, this equation has only one root in this interval, x in between 0 and pi by 2. Use the iterative formula with initial value xn égale 0.8. Determine the root to 2dp, each iteration to 4dp. Alors, premier valeur x qui nous a remplacé, xn est 0.8. Alors, next, nous prenons place n par n pour nous gagner x2. X2 pour égal sine inverse de 2 plus xn sur 4. Les bobines, sine inverse de 2 plus xn est 0.8 sur 4. Alors, nous évaluons sine inverse fraction 2 plus 0.8 divisé par 4. Alors, de 4dp, nous pouvons 0.7754. Next, nous prenons place valeur n par 2. Nous prenons x3. Alors, x3 qui vous venez. Et nous remplace ici, nous pouvons remplacer xn par x2. Alors, si nous évaluons de 4dp, nous pouvons 0.7668. Alors, next, nous continuons, n égale 3. Si nous remplaçons, nous gagnons x4, nous servons nos calculatrices, 2 fois dp, 0.7638. Next, nous remplaçons n par 4, nous rôdons x5, x5 pour venir, 0.7628. Alors, trouver 2 decimal places, il peut commencer à ressembler. Nous pouvons mettre en point d'itération pour confirmer. Alors, x6 pour égal, vous trouvez 0.7625. 2dp peut commencer à ressembler à le answer ou root peut égal 0.76. Ça c'est réponse pour question 6 deuxième partie.